OK, t'es prête? T'es prête? OK. Bonjour! Bonjour, Françoise et moi, on est très contentes d'être avec vous dans une nouvelle vidéo pour faire des exercices. Et aujourd'hui, on veut travailler les jambes. On va faire des exercices qui vont travailler les muscles qu'on a besoin pour la marche. Mais même si vous n'êtes pas marcheur, même si vous ne vous mettez pas debout, c'est pas grave. C'est des exercices qui sont bons pour les grands groupes musculaires de nos jambes. Puis qui vont aider pour la mobilité, le renforcement. Et pouvez les faire, on va vous montrer comment les faire en actif assisté. Donc, même si vous n'avez pas beaucoup de contractions dans vos jambes, même si vous n'y a pas de mouvement, vous pouvez quand même faire les exercices pour activer la circulation, renforcer les muscles et immobiliser vos jambes. Donc, on va faire les exercices assis. Donc, installez-vous bien sur une chaise confortable et sécuritaire. Mais avant, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez un pouce! En effet, on vous invite à mettre un pouce sur la vidéo, mais on vous invite surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube et à faire partie de notre belle communauté. Sachez que ça nous aide beaucoup et que ça nous fait très plaisir. Donc, bienvenue parmi nous. Vous pouvez trouver plus de 750, 730 ouais. vidéos d'exercices, de trucs et de conseils. Vous pouvez venir rire avec nous, suer, travailler fort et surtout vous améliorer. Donc, il y en a pour tous les goûts, pour tous vos objectifs fonctionnels ou de bien-être. Et si vous avez des questions, des suggestions, des besoins particuliers, bien, gênez-vous pas pour nous écrire. Ça nous fait très plaisir. On les note tous et on essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Sur ce, voilà. Donc, sans plus attendre, on va s'installer. On se retrouve dans un instant et on débute les exercices. À tout de suite! Excellent! J'espère que vous êtes bien installés. Donc, rapidement, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui ne sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Vous allez voir, Francine et moi, on ne fera pas les exercices de la même façon. Francine va vous montrer pour la plupart des exercices en actif assisté. Donc, elle va utiliser ses bras pour s'aider. C'est tout à fait normal. Et peut-être que vous n'irez pas aussi vite, aussi loin que nous. Peut-être que vous n'aurez pas de mouvement dans vos jambes. Comme je l'ai dit en introduction, c'est pas grave. Faites-le pareil. Vous allez voir, il y a plein de bénéfices à faire ça. Vous allez vous sentir bien. Puis vous allez sentir que ça a travaillé quand même dans vos jambes. Oui, oui. Ça fait du bien. Ben oui, toi, tu peux le dire, là, vraiment. Donc, ça fait du bien. Puis éventuellement, vous allez peut-être prendre la force, plus de mobilité, avoir moins d'espacité et vous sentir mieux. Donc, sans plus attendre, on va commencer par les extrémités et on va monter. On va travailler des plus grands groupes musculaires et des exercices un petit peu plus difficiles vers la fin. Fait qu'on va commencer tout simplement par travailler les chevilles. Et pour marcher, il faut être capable de relever les orteils. Sinon, on a ce qu'on appelle un pied tombant. Donc, ce que plusieurs personnes avec des conditions neurologiques ont. Moi, je vais travailler les deux en même temps. Donc, je vais relever. S'il y en a beaucoup qui vont avoir un seul pied tombant, vous pouvez tout à fait faire travailler juste celui-là. Et même vous pourriez, là, Francine, elle va vous montrer comme ça. Elle va faire un en actif assisté, mais vous pourriez travailler l'autre en actif. Vous pourriez les faire les deux. Ça va vraiment faire travailler votre coordination. Ça va être un bon exercice cognitif en même temps. Mais sinon, on le fait comme ça. Puis Francine va vous montrer comment elle va le faire, elle, en actif assisté. Donc, la jambe croisée, puis elle va aider avec sa main, elle va faire le relever des orteils. Donc, on pousse les orteils vers le tibia, vers la jambe comme ça. OK? Bon, on se met en position. Ça, ou on peut le faire aussi avec une canne. Une canne, une courroie. Une courroie. Il y a plusieurs façons. Il y a plein de façons. On a des vidéos sur ça. On pourrait en mettre un en description. Donc, il y en a plein de vidéos pour ça où on explique vraiment plus en détail comment travailler le pied tombant. Okay. On va en faire d'autres aussi sur le pied tombant parce que c'est tellement demandé. Ah oui, c'est sûr qu'on va en faire d'autres. OK, parfait. On y va pour 30 secondes. Et on relève les orteils le plus loin possible. On redescend en contrôle. On ramène, on ramène, on ramène. Et on redescend en contrôle. On ramène, on ramène, on ramène. On redescend en contrôle. On n'est pas synchronisé du tout. Vers le haut.
Et vers le bas, vers le haut. Vous pouvez suivre mes mains également, vers le haut, comme ça. Mais je vous montre avec les mains ce que les pieds font. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose avec vos mains, mais... Il y a des gens qui font ça, hein? J'ai beaucoup de mes patients qui font ça, qui s'aident avec, pour comme dire au cerveau quoi faire, ils font le même mouvement, un dernier, avec les bras. Et c'est tout à fait, c'est quelque chose qu'on utilise pour la neuroplasticité puis l'entraînement moteur. C'est soit quand on a un côté qui est plus déficient, qui est moins bon, on le fait en même temps de l'autre côté pour que ça dise au cerveau quoi faire, mais on peut aussi utiliser le haut pour enseigner au bas. Ça fonctionne. Oui. OK? On se donne des petits trucs. J'envoie. Je suis capable de bouger un petit peu, mais je continue la pousser. Oui, excellent. J'adore ça, Francine. Exactement. Faites attention quand on utilise l'actif assisté, quand on utilise une aide extérieure là, de nos mains, par exemple, on a beaucoup tendance à faire tout avec nos mains, alors que c'est pas l'objectif, hein, c'est pas nos bras qu'on travaille dans cet exercice-là, c'est notre tibial antérieur, c'est les fléchisseurs dorsaux de la cheville. Donc, on veut que ce soit eux qui travaillent le plus possible, mais on vient compenser juste avec ce qui manque pour faire l'amplitude complète. On y va, deuxième série, et hop! On lève les orteils et on redescend en contrôle. On essaie d'aller le plus loin possible, travailler l'amplitude également, puis dans toute l'amplitude. On lève, on lève, on lève. Je pourrais mettre comme ça. On lève, on lève, on lève et on retient. Parce que c'est une chose, le mouvement n'est pas terminé, on redescend en contrôle. On ne veut pas que le pied flappe. Il y en a qui vont faire ça, ils vont être capables de relever, mais après, il va y avoir soit trop de fatigue ou un manque de contrôle. Et là, pouf, ça fait que les pieds flappent comme ça. Puis quand on marche, ben c'est pas l'idéal du tout, là. C'est ça. OK? Fait que ça aussi, c'est... Je le vois un peu moins au niveau de la cheville parce que le mouvement n'est pas grand, mais dans plein d'exercices, les gens ils vont se concentrer beaucoup sur l'aller, puis ils vont complètement oublier le retour, mais... Le retour doit être aussi bien contrôlé, aussi fait de façon lente et synchronisée. Donc, c'est important. Ça va? Oui, ça va bien. OK. Dernière série et hop, on relève les orteils. Si vous mettez les jambes plus à devant, vous allez avoir un petit peu plus d'amplitude. Donc, on va être quand nos orteils sont au sol, on est un petit peu en flexion plantaire et on va chercher un peu plus de flexion dorsale. On lâche pas. Donc, c'est pas nécessairement exigeant parce que c'est un petit groupe musculaire. Ça peut être très difficile ou très exigeant au niveau cognitif quand on essaie d'envoyer la commande motrice. Un dernier. Parce que excellent. Si ça bouge pas, on envoie la commande motrice. Puis à un moment donné, ça va venir exact. Faire bouger. Là. Tout à fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever la jambe. On va travailler le fléchisseur de hanche. Et on va allonger le genou et ramener, puis on va alterner. On lève le genou, on fait comme un petit kick, on essaie d'aller et on ramène et on alterne comme ça. Un peu comme si on faisait un pas dans le vide, mais assis. OK. OK? Fait qu'encore une fois, 30 secondes. Je vais tenter ma jambe droite. Okay. Fait que soulever un petit peu. C'est sûr que là, ça travaille beaucoup les épaules si vous avez besoin d'aide beaucoup de vos bras. Mm-hmm. Puis on alterne pour faire comme si on marchait d'un côté à l'autre. OK? C'est exigeant. Allez-y lentement, même si vous faites deux, trois répétitions de chaque côté, c'est pas très grave, là. Mais on va essayer d'incorporer tout ça ensemble. C'est parti. On lève, on kick et on ramène. Ouais. Ça peut. Vous pourriez aussi faire 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre. Si c'est très difficile à changer. Ça se peut que ça vous étire en arrière de la jambe si vous avez la chaîne postérieure très tendue. J'ai-tu 15 secondes? Ah oh, oui, ça fait même moins d'excuses. On en fait quelques-uns en solidarité, quelques-uns de plus en solidarité de Francine. J'ai oublié de dire pour le 15 secondes. Puis, ce qui est difficile aussi dans cet exercice-là, je ne sais pas si vous voyez ou grimace que Francine, un dernier fait, c'est aussi
Bien, premièrement, quand on étire comme ça, le quadriceps travaille fort en contre-gravité. Si on a des tensions au niveau de la chaîne postérieure, donc en arrière de la jambe, ça met encore plus de résistance. Puis le retour comme ça, les ischio-jambiers ouais. là, sont souvent faibles chez beaucoup de gens. Fait que j'aime bien ce mouvement-là parce que là, on travaille beaucoup les ischio-jambiers, puis on les travaille peu. Tu sais, quand on fait des assis debout, quand on fait des squats, c'est des choses qu'on favorise un petit peu plus, ce genre d'exercice-là. Les ischio, on les oublie plus souvent, mm-hmm. mais ils sont quand même très importants. Oui, c'est ça. Okay. Mais c'est la base pour marcher, non? Bien, les quadriceps et les grands fessiers, c'est vraiment ceux qui vont nous permettre de nous soulever. Mais quand on a des grandes faiblesses au niveau des ischio-jambiers, c'est aussi difficile de plier le genou puis d'avancer. Fait qu'il faut que les fléchisseurs, quand on veut avancer notre jambe, on doit plier, lever le genou, mais on doit aussi que notre jambe plie pour que notre pied puisse passer. Sinon, ça fait des anomalies de patron de marche. Puis un des responsables, c'est souvent les ischio. Il n'y a pas juste ça. Là, c'est complexe, la marche. Là, vous en êtes rendu compte. Mais c'est souvent multifactoriel quand on a des problématiques à la marche. Mais les ischio doivent être forts. OK, on y va. C'est parti. Fait que là, je vais te le dire à 30 secondes. Hop. Fait que si vous n'avez pas besoin d'utiliser vos mains, on n'utilise pas les mains pour lever. Donc, on lève le genou, on allonge la jambe. Un dernier et on change de jambe. Pour ceux qui le font d'un seul côté. C'est également un exercice de tronc, de bras. Vous savez, j'aime ça les exercices qui travaillent beaucoup de choses en même temps. C'est plus efficace. Allez, un dernier. Excellent, super. Good. Oui, ça va? Pas mes orthèses non plus, donc c'est plus difficile. Ben oui, non, hein, mais c'est très bien. J'aime bien le mouvement du genou. Parce qu'il faut faire des exercices sans les orthèses de temps à autre aussi, parce que sinon... Ben, en toute sécurité, là, on était assise, là. Oups! Cette table. OK, dernière série. T'es prête? Et c'est parti. Donc, on lève, on kick et on ramène avec les ischios. On lève, on kick, on ramène avec les ischios. Oups! Je l'ai fait combiner. Petit manque de coordination. Lève, kick. Lève, kick. On change de côté pour ceux qui sont du même coup, qui le faisaient du même côté. Lève. Kick. Ça, c'était mon genou qui a craqué. Tout va bien. Pas planté. Non! OK, excellent. Hein? Oui. OK. Excellent. Donc là, on a travaillé les chevilles, on a travaillé les fléchisseurs de hanche, les quadriceps, pas nécessairement en charge. Fait que c'est sûr que quand on marche, on est en charge, il y a plus de poids qui va sur nos quadriceps que juste lever la jambe. Mais fait que là, comme j'ai dit, on va en progression de difficulté. On va encore travailler les fléchisseurs de hanche, mais on va aller travailler les moyens fessiers. Fait qu'on va lever le genou et tasser la jambe sur le côté. Donc, vraiment... faire une abduction de hanche et on ramène la même chose de l'autre côté. Fait qu'on va alterner d'un côté à l'autre. Vous pouvez utiliser vos bras, puis on fait ça comme ça. OK? On peut prendre une ceinture aussi si on ouais. veut pas prendre ses bras. OK. On y va. Et c'est parti. À droite. Je vais le faire à droite, moi, pendant 5 secondes. Là, c'est le mouvement, c'est vraiment le moyen fessier, c'est vraiment l'abduction. Ça, c'est ce qui nous aide à avoir de la stabilité latérale. Ah oui, OK, je... Oui, c'est ce qui nous tient droit. Nos moyens fessiers, c'est eux qui nous tiennent droit. Dans le sens latéral, de droite à gauche. On va faire 15 secondes, certain. Oh, oui! J'ai oublié encore. Allez! Bon, bien, hein? C'est de ma faute. Tu sais, à l'école, il y avait tout le temps des punitions de groupe, là, puis il y avait tout le temps des... Dans quoi? Non, non. Bon, bien, c'est moi la coupable aujourd'hui. OK, c'est bon, on prend une pause. On prend une pause. Mais c'est bien d'en faire un petit peu plus.
Oui. On pourrait faire 30 secondes de chaque côté, là. On pourrait très, très bien le faire. Par question de temps et pas vous éterniser ça, on fait ça 15 secondes, mais vous pourriez faire 30 secondes de chaque côté. Si c'est facile, surtout, là, vous pouvez allonger le temps que vous faites, ou vous pouvez aussi, pour mettre ça plus difficile, augmenter l'intensité de l'exercice, ajouter un poids. Oui. Des poids de cheville, par exemple. C'est pas tout le monde qui a ça, par contre, là, mais c'est une possibilité. Moi, j'en ai, on pourrait vous le montrer. Oui, moi aussi, j'en ai aussi, là, que j'utilise avec les gens avec qui je travaille. Si vous ne connaissez pas ça, on le mettra. Oui. OK, excellent. Parfait. Deuxième série et c'est parti. C'est parti! Là, je vais te surveiller. Je vais surveiller, hein? Moi non plus, j'aime pas ça faire de la retenue. OK, c'est bon, on change. Moi, j'ai une petite anecdote de vie. Là. Je suis la plus vieille de 4. Puis mes frères et ma sœur sont plus jeunes. Puis il était quand même assez tannant. Là. On en rit maintenant, mais il était quand même vraiment tannant quand il était jeune. Et quand il y avait des mauvais coups qui étaient faits, ben souvent, tu sais, on disait c'est qui a fait le mauvais coup. On était pas le dernier, puis ils s'accusaient tout entre eux. Fait qu'on finissait par pas savoir c'est qui avait fait le mauvais coup. Fait que pour favoriser l'honnêteté, ben sinon, on punissait tout le monde. Fait que s'il y avait. Alors, les deux dans le coin. Fait que les deux dans le coin. Fait que là, c'est de ma faute, mais on est tous punis. Mais non, il était les trois dans le coin. Fait que la prochaine fois, vous direz la vérité. Dites qui est. Puis le coupable, puis tu sais, aura. Si y a, c'est comme en justice. Mais la personne qui plaide coupable a souvent une peine atténuée parce qu'elle a reconnu ses torts. Ben, c'est une bonne qualité à avoir dans la vie, hein, de reconnaître ses torts puis de les assumer. Fait que. Puis c'est ça. Fait que. Mais là, ah, moi je le reconnais, mais on fait plus de séries répétitions. OK, on y va, dernière série. Et c'est parti. Mais c'est pour notre bien. Tu sais, faire en plus d'exercice, c'est pas très grave. Mais oui. On lâche pas. Oh, c'est bon. Ouf. J'ai failli le manquer. Je l'ai senti, c'est vrai? Ah, mais je l'ai senti, moi aussi. Je t'ai regardé, puis j'ai genre, ouh, il est temps. Une fois, j'étais. Synchronisé. Un dernier. Excellent. Super. Alléluia. C'est terminé, celui-là. Oui, il reste un seul exercice, mais non le moindre. Lequel? Les assis debout. C'est moins pire. Ça, pour moi, c'est plus difficile. OK. C'est vrai que les fléchisseurs de hanches sont souvent plus faibles. Et... c'est quand même difficile, puis on va chercher en plus nos bras, notre tronc travaille beaucoup. Mais l'autre exercice, c'est vraiment le plus pertinent à la marche, selon moi, là, parce que c'est vraiment de se pousser puis se mettre debout. Donc, on travaille en impulsion au niveau des quadriceps, des fessiers. Puis quand on se met debout ou on marche, c'est ça qu'on fait, on se pousse, puis nos quadriceps, nos fessiers nous soutiennent. Fait que c'est ce qu'on va faire. Donc, pour ça, il faut se pencher un petit peu vers l'avant. Donc, on emmène notre nez au niveau de nos genoux, même un petit peu devant. On va utiliser les bras. Si vous êtes très bon en équilibre, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les bras. Et on se pousse pour se lever. Et on va se rasseoir en contrôle. Comme je l'ai dit pour l'exercice précédent, c'est pas juste quand on se lève qu'on a terminé l'exercice, c'est jusqu'à temps qu'on ramène les fesses sur la chaise. Donc le contrôle, le retour doit être aussi en contrôle. Okay? En principe, j'aurais mon déambulateur, mais... Mais même si vous n'avez pas d'aide technique, en fait, votre limite, là, c'est un super bon point, Francine. Ta limite, ça sera pas « mets-toi pas debout », ça va être quand tes coudes vont être étendus complètement. Okay? Parce que là, à ce moment-là, pour aller plus haut, il faut lâcher les mains. Et ça, si vous avez des troubles d'équilibre, lâchez pas vos mains, restez comme ça, puis vous rassoyez tout simplement. Et faites attention de mettre le plus de poids possible sur vos jambes. C'est les jambes qu'on veut travailler dans cet exercice-là et non les bras. Dans d'autres contextes, on travaillerait les bras de cette façon-là, mais là, on veut travailler les jambes principalement. OK, on y va et c'est parti. Hop! Et on se rassoit en contrôle.
Là, j'ai vu les genoux de Francine qui se sont collés. On travaille les moyens, on contracte les moyens fessiers, on les engage et on essaie d'avoir les genoux qui sont... On continue. OK. Et on essaie d'avoir les genoux qui sont bien en contrôle. Puis, autant à la levée qu'à la descente. OK. Sentez bien le poids dans vos talons, dans vos pieds. OK. Excellent. On prend une pause. Okay. C'est vrai, hein, parce qu'on est... Oui, parti. Mais tu sais, on l'a vu, c'est surtout quand tu es revenu t'asseoir. Mais ça, je le vois, là... Faut que je sois attentive, il faut que j'y pense. Mais ça, honnêtement, je le vois... Je veux dire des pourcentages, mais je le vois chez vraiment, vraiment beaucoup de gens. Je le dis tous les jours, ça, parce que quand je donne un exercice, les gens pensent au mouvement de l'aller et ils oublient leur concentration pour le retour. C'est sûr que des fois, quand c'est tellement exigeant de faire un exercice, on est comme ouf, on a hâte que ça finisse, puis le retour, c'est comme on se laisse aller. Mais le retour est tout aussi important. Oui. Imaginez si vous marchiez puis que vous faisiez un pas, puis qu'une fois qu'un pas est fait, vous arrêtiez. Bien, vous n'allez pas aller plus loin. Parce qu'il faut préparer l'autre pas. Fait que la jambe qui vient de faire le pas, elle a un autre rôle après, c'est d'être la jambe de soutien. Fait que l'exercice n'est pas terminé. L'exercice change. Fait que c'est la même chose quand on fait un exercice, n'importe quel exercice. Un mouvement, tant qu'on n'est pas revenu en position de repos, notre exercice n'est pas terminé. Il faut continuer d'être attentif puis de s'assurer d'avoir un bon contrôle. OK? Okay? Fait que, mais ça... Je le vois vraiment souvent, là. N'inquiétez-vous pas. Fais juste le prendre, comme Francine a dit, d'essayer de s'en rappeler, d'en prendre conscience et de le travailler. C'est ça. OK. Sinon, moi, je suis là pour vous le rappeler. la police de... OK, on y va et c'est parti. Hop! On contrôle bien le retour. Là, on essaie que nos genoux ne bougent pas trop. On met bien du poids sur nos jambes. On lâche pas. Hop! En contrôle, on respire bien, on lâche pas, un petit dernier, excellent, super, ça va? Ça travaille bien ça quand même. Ben oui, mais c'est très exigeant. Oui? Oui. On pense que c'est facile, mais le travail est là. Oui. Mais surtout, c'est les plus grands groupes musculaires, là, les quadriceps, les fessiers. Puis on soulève tout notre poids. C'est sûr, surtout si vous n'utilisez pas vos bras, c'est tout le poids du corps va sur les jambes. C'est exigeant, là. C'est ça. Ouais. Et c'est le soir venu qu'on le sent plus. Et le lendemain, et des fois le surlendemain. Ça, on appelle ça des courbatures, c'est normal. Surtout si vous commencez à faire des exercices, si vous avez un petit peu de douleur ou de l'inconfort, là, sachez que c'est normal, c'est pas anormal. Puis plus vous allez vous entraîner, moins vous allez avoir ces sensations-là. OK, on fait la dernière série. Et c'est parti, hop! Hop! Allez, allez, allez! On lâche pas. Allez, allez, allez. Un dernier. Yes. Tu mon genou, il est commencé. Oui, j'ai failli. Oui. Mais je l'ai vu. C'est bon. Hey, good! Oui, ben non, mais. Ça se peut qu'avec la fatigue, on ait de la difficulté à garder notre alignement droit, puis qu'on ait des petites compensations qui apparaissent. Moi, c'est comme ça que, en séance, là, quand je suis avec quelqu'un, c'est comme ça que je détermine quand est-ce qu'il est le temps d'arrêter. Puis on discute souvent, puis il y a des gens qui me demandent, puis on avait une conférence avec Héloïse, ma stagiaire, puis on discutait en thérapeute aussi de... Combien de séries il faut donner pour le bon apprentissage? Combien il faut faire? C'est quoi la charge? Parce qu'on dit, pour s'améliorer, il faut une certaine charge. Puis, les études sont pas... C'est vraiment
multifactoriel, ça dépend beaucoup de chaque personne. Moi, la référence que j'utilise, c'est quand la performance diminue beaucoup. Okay. Ça peut varier d'une personne à l'autre. C'est pour ça aussi que je vous fais faire, qu'on fait ensemble des 30 secondes, parce que je veux que ça permette aux personnes de faire deux répétitions ou qu'ils en fassent 30, mais ça permet aussi de prendre une petite pause, de recommencer, puis vraiment s'adapter à soi. Fait que moi, quand, mettons, si je fais des exercices avec toi, puis que je vois que là, tu n'arrives plus à garder un bon alignement puis que ta jambe s'en va croche. Mais là, pour moi, c'est le bon moment. On est arrivé au moment où tu es arrivé au max pour cette fois-là, à ton maximum, puis à vraiment une intensité qui était très adéquate parce que tu as poussé jusqu'au bout. Ouais. Puis c'est là que notre corps va engranger, ça se dit pas, mais engager des mécanismes d'apprentissage, d'amélioration, qui va augmenter la force, qui va travailler les circuits. Puis c'est là qu'après ça, c'est comme ça qu'on peut progresser puis être meilleur. Fait qu'il faut se rendre jusqu'à cette fatigue-là puis ce moment-là. Fait que pour vous, là, c'est un truc, là, mais peu importe, ça peut le nombre de répétitions va varier d'une personne à l'autre. Mais faites les choses jusqu'à temps que vous dites « Oh, là, j'arrive plus, mais c'est correct, on veut se rendre jusque-là. » Puis à ce moment-là, on se dit « Bon, cet exercice-là, c'est assez. » Je le dis souvent pour l'apprentissage moteur, on fait des répétitions. Tu sais, si c'est arrivé la première série, on prend quand même un repos, on recommence une deuxième série parce qu'on devrait s'améliorer. Mais après trois ou quatre séries, si vous voulez, puis que là, vous êtes moins bon, on arrête cela, on le refera dans 2 jours ou le lendemain ou dans 2 jours. OK? Voilà. Ça, j'aime bien ça, vous expliquer ça, parce que vous pouvez utiliser ces préceptes-là, pas juste pour l'exercice qu'on vient de faire, mais pour tous les exercices que vous voulez faire ou toutes les fonctions que vous voulez améliorer, tout simplement. Excellent! Super! Bien travaillé? Notre corps a ses limites, donc il faut surveiller ça aussi. Hein? Oui, ses limites, mais aussi ses façons de s'améliorer. Puis pour s'améliorer, il faut aller vers, il faut atteindre notre limite. Ou d'être tout proche, du moins. Fait que des fois, on l'oublie, là, ça, de dire « Ah, c'est difficile, je suis moins bon. » Mais non, mais il faut se rendre jusque-là, il faut l'accepter, puis il faut se rendre jusque-là. Donc voilà. Donc, on espère que vous avez aimé les exercices. Si vous avez aimé les exercices, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, mais on vous invite surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube, à voir toutes nos vidéos, on en a plus de 700... et plus. Et fait que vous avez des besoins particuliers, vous pouvez chercher dans nos vidéos, mais vous pouvez aussi nous écrire vos questions, vos commentaires, vos suggestions d'exercices. On les prend tous en note et on essaie de les faire rapidement dans les nouvelles vidéos. Donc voilà, merci de vous abonner et de faire partie de notre belle communauté. Et vous pouvez aussi partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on vous souhaite une excellente journée. On a bien hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Bye!